Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Ben, j'ai peut-être pas commencé comme je le voulais. Et chose que je vais faire maintenant. Mais sinon, tout ce que je voulais atteindre, ben, je l'ai atteint. Et aujourd'hui, ça va remarquablement bien, malgré que différentes émissions dernièrement ont raconté que j'étais en pleine dépression nerveuse, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Je vais très bien, je vais même mieux qu'il y a un an. Je vois les choses différemment, je réfléchis autrement et je fais les choses très très bien. Et je remercie ma petite étoile là en haut qui fait que les choses s'accomplissent comme ça. Tout au début, oui, je me suis souvent dit qu'est-ce que je fous dans ce milieu, c'est pas le milieu que je voulais. Je me suis posé beaucoup de questions suite à La Nouvelle Star. Parce que cette émission a vraiment réussi à me blesser du plus profond. Bon d'accord, moi je parle. Non, c'est vrai, j'avais l'impression d'assister à une... On m'a fait une séance de torture, je suis attaché, je vous écoute chanter et je dois avouer. Et là j'avoue tout ce que vous voulez que j'avoue parce que je veux juste que vous arrêtiez de chanter. Et je pense que c'est l'amour, c'est les gens autour de moi, c'est mes fans. Parce que bien que beaucoup de gens disent que je n'ai pas de fans, eh bien j'ai des fans qui sont là, qui sont bien présents et qui sont fidèles. Et je pense que c'est surtout grâce à eux que je suis bien restée debout. Oui, j'en veux à La Nouvelle Star. Je me dis voilà, je plais pas, on aurait pu me le dire de d'autres façons. Je trouve ça un petit peu injuste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, et je me répète peut-être, qui ont énormément de talent et à qui on ne prête pas beaucoup d'attention. Et parce qu'ils ne correspondent pas du tout aux critères, on les jette. Mais quand je dis on les jette, c'est on les jette comme de la merde. Je vous chantais bien, mais alors vous avez tous les tics ringards. Mais c'est pour ça que vous chantez avec tout le pathos qui n'existe plus depuis longtemps, ouais. Quoi. Vous chantez comme au XXe siècle. Non mais vraiment. C'est terrible. Vous avez une jolie voix, mais il faut tout reprendre. Je prépare différentes choses, je ne vais pas vous en dire trop. Pour tous ceux qui ont voulu enterrer Cindy un peu trop vite, ils vont être vraiment déçus parce que même moi, je ne m'attendais pas à ce qui va se passer maintenant. Cette énergie en moi qui brûle de partout. Mon arrivée va étonner et les gens vont même se frotter plusieurs fois les yeux pour se dire mais est-ce que c'est vraiment elle ? J'ai envie de fermer la gueule à beaucoup de gens qui m'ont beaucoup critiqué et je vais leur montrer que je suis une artiste. Et après, t'aimes pas, tu passes, mais tu arrêtes de critiquer.